De la houle en baisse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence sous une grosse couverture nuageuse avec de la petite goutte, une température extérieure à 16, une température de l'eau à 18-17 cet après-midi. Le temps variable, une température à 19. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 12h50 avec des coefficients de grande marée 111. Et sur ce début du descendant, le vent est side offshore, il est sud-sud-est, il est modéré. Il y a deux beaux forts établis, des rafales à 3, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où les multipiques. Multipique est longue avec 10 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, elle est en atténuation, donnée par la bouée Arcachon-Gascogne à 2,30 et 8 secondes. Et ça nous fait des vagues qui ne sont pas très grosses ce matin. Il y a 1 mètre, 1,20 mètre en déferlement régulier, 1,30 mètre sur les séries qui rentrent fréquemment, 1,50 mètre sur les grossettes, pas plus. La barre est facile à franchir. Les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés sur un plan d'eau qui est encore un peu agité. Mais il y a quand même quelques vagues qui passent. Alors les bandes de sable ne sont pas terribles, c'est multipique, ça sectionne, c'est désordonné. Mais sur une marée qui est haute et le début du descendant, là, on voit quelques vagues qui arrivent à dérouler. C'est pas terrible, ça vaut la note de 1 sur 5. Il n'y a personne à l'eau, il y a quelques personnes qui checkent les conditions. Avant que ça soit trop bas, il y a peut-être quelques vagues à attraper. Il y a encore pas mal d'eau à la centrale là. Bon, c'est aléatoire, c'est pas fou, mais c'est moins pire qu'hier. L'évolution pour le reste de la journée, malheureusement, ça va se dégrader sur un train d'houle qui va grossir gentiment à la mi-journée. La bouée Arcachon-Gascogne est à 2,70 et 8 secondes. On attend une poussée d'houle plus massive en soirée, à voir si ça va arriver à 17 ou à 18 heures. Voilà, parce que pour le moment, la bouée côtière de Brest n'est pas très très grosse. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au sud avant de revenir à l'ouest, pardon, et se calmer. Donc les prévisions à 9h, il y a 1 m/s, 1 m/s, ou d'ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, avec un vent qui est prévu sud 3-4 à confirmer, parce qu'il est sud-sud-est là. À 13h, ça grossit vers 1,80, ou d'ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de sud-sud-ouest 3-4. Et à 17h, 2,50 à 3 mètres à confirmer, ou d'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 2-3. Ben, s'il y a un créneau positif, c'est ce matin, et le plus tôt sera le mieux. Prochain point, tout à l'heure.